Ah. Coucou Lisou. Mince, t'as pas mis ton petit badge. 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque eu ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. On y tire. Musique espagnole. Alors, Yankee. Qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Et ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Que frio! Te has bebido el bar entero? Cigarette? Le jeu est beau, hein. On voit des images un jour. Vaya sitio más tétrico. Ah, ça y est, t'as ton patch. Eh, hay alguien ahí? Du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, hey, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. On lui a filé les bidasses, quoi. Et chaussures. C'est pas très. Pour l'instant, les mouvements sont un peu rigides de la caméra. Je sais pas si c'est lié à mon boîtier de capture ou quoi. Léonie, comment ça va?
Ouais, Lizou, ouais, ça va bien. C'est... Je vais vous demander. Encore mal aux dents. Tu revois quand le dentiste? Bonne petite carcasse. Viens, on va trifouiller dedans. Est-ce que je lui mets les lunettes ou est-ce que je les enlève, Léoné? C'est très Wesker, hein. Ah, oulala, enlève ça. Léoné, elle est pas contente. Ne salis pas Léon. T'es bien. Regarde, regarde, regarde. Voilà, ça y est. T'es contente? Regarde, il est vénère. Il voulait ses lunettes. Il préférait ses lunettes. Stead, film. Par contre, j'ai pas fait espagnol, moi. J'ai fait italien. Bah ouais. Bonjour. Les pièges à ours là sur la gauche là. Ah, ça a pas l'air d'aller. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino a qui? Je crois qu'il est dans la casserole. Ah oui, je commence le jeu, quitte. Tête à 90 degrés, je suis pas sûr que ce soit agréable. Oh putain, il m'a donné mal au cou. C'est la merde. Si c'est la merde, bah merci Léon. Merci inspecteur Léon pour cette brillante déduction. Qu'est-ce qu'on a là? Ça chlingue. Qu'est-ce que... Il y a des cheveux? Je connaissais l'expression un peu pourrie, mais je l'aurais pas pris au sens. Ouais. Bon, au moins, c'est plus logique, j'ai envie de dire. C'était un prof de maths, dommage. Je crois qu'il a plus sa tête. Ah si. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Alors. L2 pour viser et R2 pour tirer. Putain, j'y crois pas. Zé, il est un peu horrible. Hein. Je suis mauvais. La visée est très horrible. C'est bon? Avoir tout vu. Ah, la visée est pas facile. Putain, la vache. Oui. On va revoir la sensibilité du truc. Oh la vache. On va revoir Léon, hein.
pas des plantes vertes qui traînent là? Par contre, ouais, mais t'as plus de balles, Léon. Ça sert à rien de le pointer ton pistolet. Hein. J'ai vraiment du mal à viser avec là. Ashley. Perchoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? Avec le nom du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. Ah! Je te rappelle. J'ai déjà vu ça dans Shining. Oh. Ok, ouais. Je me casse. Ouais, c'est une bonne idée de se casser, ouais. Bah, c'est vrai quand même, tu pars pour rechercher la fille du président. T'enverrais, je sais pas, une troupe. Non, non, t'envoies juste un mec avec 10 balles et un couteau. Voilà, allez, va. Le jeu est beau. Faut pas confondre, c'est pas la même chose. Ah bah il est là. Bien vilain, toi. C'est bon? Ah! C'était pas prévu. C'est bon? Bon, on est calmé? Ils sont riches, hein? Maintenant, je flippe qu'il y a un autre putain de piège à ours. Je m'attendais à ce qu'il ouvre à coup de pied. En mode Léon. Ah! Ah, d'accord. Bah, c'est une décoration. Ah, oui, d'accord. Ok. Je sais pas qui c'est qui a fait la déco, mais il y avait des midos, il ferait un arrêt cardiaque là. Ça se referme tout seul. Feu de joie. Est-ce que ça brûle bien, le policier? Ah, il est vivant, en plus! Bah ouais. C'est très chantier, hein. Donc, du coup... Alors là, il... Yes, je pense qu'on peut s'infiltrer un peu. S'infiltrer, hein. Bah, du poulet rôti, c'est pas mal, hein. Par contre, c'est pas parce qu'on appelle les flics des poulets que c'en est vraiment. Faire des exécutions. Voilà, ça, c'est pas mal. Là, on est bien. Oh putain. Kourimka, comment ça va? Puedes correr, pero no te puedes escapar.
sont un peu trop nombreux à mon goût là. Oui, Irina, comment ça va? Ben moi, je propose qu'on meure. Et un peu avant Owa, ça marche. Parce que bon, il y a besoin de modérer hein, chez Owa. Petit Warida. Ok, donc on peut quand même passer en infiltration. Par contre, il y a tellement de trucs à inspecter que je pense que c'est peut-être pas le plus worth. Bah ouais, des fois, ça commence à être une grosse chaîne, hein, Warida. Donc, des fois, c'est un peu le zoo. Les vacances en Espagne, c'est pas ce qui était marqué sur la brochure. C'est très pittoresque et les gens sont pas spécialement accueillants. Moi, il était plein dedans, mais. Pas le choix. Voilà. Oh, putain, le viser est vraiment horrible. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Par contre, on n'a pas beaucoup de balles. Ah. Mais c'est quoi ce village d'enfoirés? Ah oui. Ok. On va pratiquer le Nigerun Dayo. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'on a des balles? Putain, mais j'ai... Et j'ai plus de couteau. Oh putain, ils sont forts en plus, ces cons. Alors, faut changer d'arme. Ouvrir. Ah! Ah! D'accord, j'étais pas assez dans la merde, je crois. Je crois que je vais passer le long facile, hein. C'est vrai qu'il est mauvais lui aussi, hein. Pas contre une aide à la visée. Hein. Et crève. Ah bah oui, bah là. Bah oui, bah là. On peut pas partir? Ah non, hein. On peut partir. Hein. Et ainsi périt Léon. Mais j'ai mis... Ah c'était R2. J'ai dû mettre un coup de couteau. Ah.
On peut pas se barricader? On était bien là. Je fais recrever, putain. Suivant. Le suivant, ouais. Vous avez les yeux un peu rouges, monsieur. Ça doit faire mal, ça. Arrête de bouger ta tête. Ah bah oui. Ah mais comment je fais? Ok. Est-ce que... Je crois que j'y vais passer en facile. Hein. Bon, est-ce que là, on s'enferme? Ouais, conito merda. Ah, ça peut être très bien, ça. Oh putain, ouais, on peut sauter par les fenêtres. Oh, c'est génial, ça. Et là, si je fais ça, est-ce qu'on est... On est sympa, là. La vache en feu dans le fond était vraiment pas mal. Coucou Givra. Ah le jeu est dur. On de mime. Ah bah non on peut pas. Hop, on de mime. Ah si je pouvais le lancer sur l'autre, ce serait génial. Mais. Laisse-moi me barrer, connard! Oh putain! Je pense que pour ma santé mentale, on va me baisser. Et quand je serai un peu plus bon, je mettrai en. Autrement, putain. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à les paquer. Ah! Ça, je savais pas. Depuis tout à l'heure, il faut juste que je fasse ça, en fait. Oh, putain. Putain, j'y crois pas. J'ai bien fait venir. Non. Ah t'es plus pionné là. Essayez de monter. Mmh. Okay.
l'intérieur. Bah c'est chaud du cul, hein. Une émeraude. Hein. Et oui, il y a moyen de virer l'échelle, je l'avais fait. La campagne. Tu reviens plus tard? Et bah bon courage, Givra, pour ta vidéo. Merci pour ton passage. Oh putain, la vache. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un pompe, mais dans la précipitation, je m'en suis pas trop occupé. Oh la vache. Oh l'enfer. Ah, ils vont tous à l'église. Au moins, ils sont à l'heure pour prier, c'est cool, hein. C'est pas qu'il serait aussi dur. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Ouais. Cet écran titre, il est goldé quand même, avec le mec qui brûle en fond, là. Je peux fouiller tranquille. Ah bah. Cherche-toi à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Alors, je sais pas si vous avez entendu le dialogue, parce que du coup, il sort de la manette. Poser. Pas contente que j'ai piqué son œuf. C'est un gentil ça ou... Ça a pas l'air, hein. Je peux pas lui piquer sa machine. Oh putain la vache. Oh, j'étais pas prêt, hein, mais... Pousse-toi la vache. Je suis fait bouillir par une vache. Couché, Marguerite. Mais on lira sur mon épitaphe, bouillir par une vache. Crève. La vache. Par l'amour du siècle, quelqu'un peut-il nous débarrasser de ces meilleurs ambieux qui ces fanatiques ont accroché partout. Récompense Spinel x3. Zone ferme. Ok. Est-ce qu'on peut la désamorcer ou... On peut pas récupérer les explosifs? Alors les pichets, j'avais un gars dans mon lycée qui appelait ça un potao. Vous avez... Ah! La vache! Ah oui, 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 là. Oh la vache! J'espère que le cochon il est pas dressé à me foncer dessus, hein. Ah
Si, le cochon il va m'attaquer. Tu la sors d'où ta hache? Tu la sors de son cul. Mais... Putain, je me fais avoir par tous les animaux de la ferme. C'est bon? T'es content? Petit con, là. T'as pas envie de manger un steak après ça. Hein. Lac. Le lab. Il doit être par là. Putain. Ah. Ah. Ouais, l'esquive n'a pas bien marché. Ils seront hein, pourtant, mais... Oula. Heureusement que ça bip, hein. Ah d'accord. La technique Léoné. Dodge. Je sais bien comment on dodge. Lui, tu sais pas, hein. Oh putain. Well, bon. Mais il y a un truc à faire ici, peut-être un easter egg. Léoné, c'est celui-là de lac ou c'était pas à cet endroit-là, peut-être? C'est pas ici? Tant pis, je le garde pour plus tard. En fait, à cet endroit-là, vous tirez dans le... Vous tirez dans le lac et en fait, il y a une surprise pour vous. Fait du bordel lui. C'est quoi ce bruit? Comment il s'appelle? Je sais pas si c'est là qu'on croise notre. Oula. Voilà. Je pensais que c'était un des PNJ qu'on allait croiser ici, mais ça doit être. J'ai gardé du coup le suspense, Lizou, mais sinon je peux le dire, moi je sais. L'avantage d'avoir vu un let's play du... Alors, le remake, je me suis rien du tout spoilé, j'ai rien regardé. C'est Louis d'ailleurs, du coup là. Ouais, c'est ça. Que ça fait mal. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, seigneur. Et De toute façon, je vais pas tarder à... Eh non, je tiens à ma santé. Je vais m'enlever ma tête. Tu peux me détacher au moins? Je vais pas tarder à couper, je pense. Oh, mais... Manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes! Tarte! Et ça repart.
Bah, je pense que c'est un bon moment pour couper. Sacrificiel. On rapproche là. Tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. J'essaie de vous approcher la manette quand il y a des trucs. C'est quoi ce bordel? Hey, arrête ça. Hey, Yankee. T'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hé ! Arrête, ok ? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé pour ça. Léon, qui a rien à foutre. Ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein ? Je parie que t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita ? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient ? Où ça ? Qui sait ? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Elle n'arrive pas. C'est pas une vie. Va faire du bien, ça. Hey, où est-ce que tu vas? A plus, amigo. Faut peut-être l'achever, le monsieur là au sol. Merde, mon équipement. Bah oui. Rien plus rien. Par contre, j'ai toujours mon. Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien, on progresse. L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais être renseigné à son sujet. Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. 2-3 trucs. C'est à moi, ça. Ah, là, c'est une mauvaise parade. Là, je peux pas. Mais je peux pas l'ouvrir. Hein. Là, j'ai essayé d'esquiver, j'ai marché dedans. C'est pas drôle. Nigerundayo. C'est cool que je me sois pris le truc. Hein. Ah bah voilà le marchand. Par ici, étranger. C'est qui? La voix de ce marchand est géniale en. On va pouvoir faire des affaires. On va sauvegarder et puis je continuerai demain. Voilà.
Bon, bah merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour vos conseils. Et chouette jeu. Très chouette jeu. Je suis content de le faire. Par contre, dur à prendre en main au début. La première zone, là. Je le referai plus tard, je pense, en plus de difficultés quand je maîtriserai. Mais un beau bordel.